Pleurs, douleurs, consternation sont indescriptibles sur le visage de Sabine Tongo. La trentaine révolue, cette mère a retrouvé ses deux enfants, ici en images, assassinés dans l'appartement de son ex-mari à Houston, aux États-Unis, dans l'État de Texas. Que s'est-il réellement passé? Que s'est-il réellement passé de la tête d'un monsieur à vouloir exterminer toute sa famille? Je vous invite à écouter la version de Sabine, qui est la maman depuis le Texas. D'accord. Mais en fait, tu m'as dit que c'était en fait non, c'est un monsieur très gentil quoi, donc un papa bien. Qu'est-ce qu'il a pris en fait? Parce que, pas de poéda, pas de
une dame sportive, Yemounou. Une dame fait une chimangolo. Donc, Nina, qui a pris, il met que ça t'a pris un petit peu, elle met pas qu'on aime tout le monde à prière. Donc, le reste, il faut vouloir à Babantou. On est imposé de Babantou que non, mais il faut vouloir à Moutou. Moutou, une maison que, ah, il y a mes salons pas ici. Moutou, là, mon bébé, soeur, il y a mes salons. Mais Nina, qui a demandé, nous, il y a quelques prières. De nous soutenir, nous, la prière. La version qu'on a reçue, nous, Yandji Bokilangi, quoi, depuis la Brazzaville, donc en fait, depuis le pays, tu arrives ici. Non, 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 Yann Nata Zemoun. Yann Nata Zemoun, Awa, Naputu. Moussou Nata, Moussou Kéveyan, Betnen Betne Koutana, Nalamérique. Betnen Betne Koulasana, avant que la Jonza, Kéve Makangwa Moun. Y'a Kéve Nani, marié 9 ans. J'aimerais savoir, avant Ben Koudoba Mambo, est-ce que tu n'avais pas remarqué quelque chose d'anormal chez lui? Atakima. Mambo Nyo, tu y kéfé la mama. Mambo, il y a une maison de mama, Nataki, pour 9 mois. Que Yann Mestala, Mambo, il y a une qui est bien kébique, papa, il y a un dit, Nankoué, Nakoté, à mon chien, il n'y a jamais la mama. Même si Bazon, que Nye Manina, Nye Kika, à Bazon, Nye Kessalvea. Parce que il n'y a même pas besoin, je suis très émotionnée au moment même que je vous parle parce que ça m'a vraiment beaucoup touchée. Ça a touché tout le monde. Je pense qu'on est tous des parents. Ça fait très très mal ce qui s'est réellement passé aux États-Unis. Tout simplement, comme on a dû l'entendre, vraiment je suis très émotionnée. Je ne trouve même pas des mots, mais vraiment soutenez la maman. On a besoin de vous. Si vous avez un cœur, vraiment n'hésitez pas vraiment à soutenir cette maman, surtout financièrement, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ça s'avère qu'aux États-Unis, ce n'est pas le même fonctionnement comme en France. On a vraiment vraiment besoin financièrement que vous soyez là. Aidez cette maman. N'hésitez pas à contacter le numéro qui va s'afficher en bas afin de leur venir vraiment en aide. Que ce soit surtout dans les prières aussi, c'est très important. Moralement, vraiment, n'hésitez pas à appeler les parents, pardon. Comme je vous le dis, vraiment, on est tous émotionnés. C'est toute la diaspora vraiment qui est bouleversée. Vraiment, je vous incite à appeler ce numéro qui s'affiche en bas. Merci.